Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Shame Or. Je suis toute seule. Alors, premier point. Tout d'abord. Ok, merci. D'abord, je m'excuse, je fais comme n'importe quoi. Je suis en train de regarder énormément le rendu puisque ça m'a l'air de pas savoir ce que ça donne. Donc voilà. Deuxième petit point. Je vais essayer de faire des vidéos le lundi. Surtout, ouais, je vais essayer. Le vendredi et parfois le mercredi. Ça va voir. Donc on part sur moi, surtout un système de 2 heures par semaine. Enfin, 2 vidéos par semaine. Voire 3 de temps en temps. Voilà. Ok. Ok, ok, ok. Aujourd'hui, donc là, on est mardi, je fais une petite vidéo quand même parce qu'il fallait que je vous tienne au courant du calendrier des vidéos. Et me fait que je peux pas vous laisser avec que ça sur la vidéo, c'est pas intéressant pour vous, faut vous en ficher. Alors je vais vous parler de cette chose un peu bizarre sur moi, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement bizarre. Si je vous disais tout, je le regrouperais en 5 ans. La vidéo durerait 1h30 et je pourrais pas tout vous dire parce que je sais pas comment je suis moi en extérieur. Donc il me faudrait mes amis et je vous garantis que ça partirait très 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 loin. Donc je vous ai fait cette petite liste qui me résume à peu près mes choses bizarres. C'est hors équitation, je vous ferai peut-être un en équitation parce que je suis une grosse maniaque. J'ai juste un point qui par rapport aux chevaux et encore. Et c'est pas dans l'ordre du plus bizarre. C'est un ordre de... Comment j'ai trouvé? Je suis désolée, on voyait mon bureau derrière qui est dégueulasse. Qui tourne, voilà. PC qui tourne avec ma vieille chemise de nuit. Bref. Alors, premier point, les araignées. J'ai une araignée mortelle. Je ne supporte pas les araignées, en particulier les petites. Elles me rendent complètement dingue. Dès que j'en vois une, je crie. Même si elle fait 2 mm de large et de longueur, je crie. Même si elle fait 1 demi-millimètre, j'hurle. Simple que ça. Genre, une fois, je suis à la salle. Genre, je parlais avec mes potes et tout. Il y en a une qui fait: oh, mais Linda, t'as un araignée dans les cheveux. T'es là. Et je me retourne. Mais Linda, c'est qui est à côté de moi. Je me retourne. Je vois qu'il y a son araignée qui remonte là. Je crie, je me lève à la table. Je crie, je me lève, je parle comme une grosse psychopathe en plus. J'ai shooté un signal qui était derrière moi. Il était hyper content. Moi, je suis en mode... Et je ne suis pas accrochée d'elle. Puisque je pars du principe que si l'araignée, je ne la vois pas mourir, elle est toujours là. Donc, parce qu'elle était toujours à côté d'elle ou près d'elle. Donc, je ne suis pas accrochée, je me suis éloignée. Je me suis collée à côté à ma gauche. Alors, oh, imaginez. C'était pittoresque, j'étais ridicule. Pareil, ma meilleure amie était assise par terre. Là, je me retourne, je vois qu'elle avait un fil. Je crois que c'est un petit fil, un petit... Ok, merci. Ok, merci mes amis. Je crois que c'est une petite peluche qui était accrochée sur le truc. Je vois la peluche qui remonte. Oh, je crois qu'elle m'approche légèrement. Elle s'est partie vraiment tout à côté de moi au niveau de ça. Non, ça c'est pas vrai. J'ai vu un peu plus, je crois que c'est une araignée. Il y en a une là. Ça m'est pas vu. Je fais une classe, les gars. La petite connasse, merde, l'a rendue. La petite connasse. Bon, ça va encore, ça, elle est pas minuscule parce que c'est les petites que tu vois jamais. Genre, tu les vois, puis après elles disparaissent. C'est juste. Et pour ce quoi, je vais couper le rendu, vous avez. Je verrai plus à quoi ça ressemble, ça m'arrangera. Voilà. C'est horrible. Alors qu'elle bouge pas, ça me va. Mais genre voilà, donc elle est vraiment de côté de moi. Je la vois qui remonte à 2 mm. Oh, une grosse mouche. Bref, à 2 mm de ma jambe. Je me lève, je me lève et je pars en criant. Quand elle est venue vers moi, elle m'a pas dit ce qu'elle avait fait l'araignée. Je sais pas si c'était toujours à côté d'elle, si elle avait gardé ses l'œil. Je me suis peur, moi je sais pour 1 heure. Vraiment, tout ce qui va être mon petit araignée, ça me terrifie. Là, je sais pas bien que celle-là. Ça me terrifie, j'en parle même pas. Donc, quand ça va, genre les grosses toutes fines, là, ça me bat. Genre, ça me dérange pas. Après, quand c'est des grosses, non, ça paraît, ça. Voilà. Donc, normalement, on se retrouve tout de suite. Désolée si je fais de position, c'est parce que ma mère m'a appelé pour une maison, pour déménager. Elle a trouvé une super maison. Il y a un manège, il y a une carrière, il y a une ronde-longe. Ah. Bon. Ça a une demeure de mon collège, mais on va faire avec. Il faut 4h47 pour y aller à pied.
Pas besoin de le rendu. Ça, je ne regarderai plus. On est donc au deuxième point au niveau des mains. Je ne supporte pas qu'on me touche à ce niveau-là. Ok, merci. J'ai mis ma meilleure amie qui s'amuse à me prendre la main comme ça. Je suis chiante. Hein. Voilà, qui s'amuse à me tenir la main genre comme ça et à me frotter. Genre. Je ne supporte pas parce qu'il va être contact au niveau de la paume de main, au niveau des doigts là, rien que là, je me touche et ça m'insupporte. Ça me semble d'avoir une sensation de. Enfin, je me fausse, c'est un gratté, c'est comme au niveau des oreilles. Voilà, je suis très bizarre puisque je ne supporte pas donc qu'on me touche à ce niveau-là. Encore moins, moi, ça me fait des frictions dans le dos, mais ça va, je supporte. Genre les mains des autres, quand c'est pas moi qui demande le mouvement, c'est pas moi qui veux faire ça. Ah! Souvent, je me mets à crier ou j'arrache ma main, c'est très bizarre. Numéro 3, les oreilles. Comme pour les mains, je ne supporte pas qu'on s'approche de mes oreilles. Mon gant, mes mains, je peux chercher mes oreilles, mais je ne supporte pas que les autres personnes me touchent les oreilles. Ça coûte ma meilleure amie, ça va être, elle appuie sa tête sur mon menton. Et en soufflant sur mon oreille, j'ai l'impression qu'elle allait me mordre l'oreille. Et ça m'a fait une sensation extrêmement bizarre. Donc j'ai le droit de partir d'un seul coup, et chaque fois qu'on s'approche de mon oreille, au niveau du visage, au niveau des mains, surtout au niveau du visage, j'ai l'impression qu'on va me manger l'oreille à chaque fois que mon visage s'approche de mon oreille. Je trouve qu'on va me mordre. Voilà. Donc, en plus, ma meilleure amie, ça me faisait me tripoter. Oh, c'est bon, là, mes amis. Ça me faisait me tripoter l'oreille comme ça. Ah, je ne supporte pas. Je sais pas, je suis en mode. Genre, quand on me tripote, c'est qu'au niveau des mains, je trouve que ça me gratte et je suis obligée de me refrotter parce que le contact au niveau des oreilles est différent. Même si je touche que celle-là, j'ai envie d'à tout prix de gratter celle-là parce que le contact, la façon dont mon oreille aurait été genre touchée sera pas la même des deux côtés. Ça a énormément stressé. Donc, si on touche celle-là, je vais être en mode comme ça ou alors comme ça. Genre, celle-là, c'est pour le. Je sais pas, pour me refrotter par-dessus. Je sais pas pourquoi je fais ça. Ça va me tripoter les oreilles comme ça et je ne supporte pas. C'est un contact au niveau des paumes de main, je ne supporte pas. Je suis très bizarre. 4. J'ai les genoux relativement, là j'ai encore envie, relativement élastiques. J'ai les genoux extrêmement bizarres, extrêmement élastiques. Et ça fait pas mal en plus. Vous voyez, je peux tirer. Là c'est un peu pareil aussi. Je relâche rendu parce que c'est très bizarre, regardez. Je peux tirer sur ma peau et je ne sens. Même pas. Voilà. Voilà. Non, ça me tire un peu la bouche. Genre, par exemple, là, genre, la bouche, elle n'a même pas tiré. J'ai vraiment la peau élastique. Raison, j'ai les joues très très creuses. J'ai uniquement de la peau au niveau des joues. Quand on touche là, on sent immédiatement mes dents. Donc, mes joues ne sont pas pleines, ce qui fait qu'elles sont élastiques au niveau de la peau. Elles sont élastiques et voilà, je ne sens rien. Je suis pas au niveau à peu près de là. Je peux les tirer. Voilà, un peu moins. On se retrouve là. Bonjour. Je suis un serpent. Et à ce niveau-là, je suis quelqu'un de très bizarre. C'est mes amis, là. Je suis chelou en plus. Bah, je me tire une psychopathe. 5. L'écoute. Encore un truc, je ne supporte pas. Attends, je me plaide. C'est qu'on. Donc, on dirait sur le t-shirt. C'est qu'on me touche à ce niveau-là, genre là, au niveau des côtes, genre quand on. Ou même là, genre quand on met mes doigts là, les doigts des gens là. Soit j'ai un réflexe. Quand la personne me tient vraiment, je quand elle est en mode semi-câlin et qu'elle me tient à ce niveau-là, sans réflexe de reculer, en mode de genre la tête, les épaules s'étaient montrées, je recule en fait dans la personne, elle va me dire son nez, donc genre elle va me lâcher, ou alors elle va me serrer encore plus fort, ou alors j'ai la possibilité de fuir par le bas, donc quand elle me tient pas vraiment, elle me tient comme ça, bah je m'assois en fait. Je m'assois immédiatement. C'est ça que je mets souvent, genre par terre, assis sur les pieds de mes amis en mode ouh, je suis par terre, aidez-moi. Numéro 6. Alors, je suis une grande psychopathe des fautes d'orthographe qui peuvent être évitées facilement et surtout des oublis d'accord. Je suis la première à faire des fautes d'orthographe. J'en fais genre très souvent sur des mots tout bêtes, genre accueil, j'ai même réussi à les checker correctement, mais des fautes évitables, genre incertain sans S, je ne suis pas d'accord. Non, on l'a vu ça en 6ème, incertain, il y a un S, incertain vient de certain, c'est du latin, et ça vient de, et incertain, il y a un S, c'est tout. Voilà, je prends l'exemple, genre, je crois que j'avais l'exposé en latin du garçon de ma classe. Il va en diaporama.
De rien, reste zen. Je prends l'exemple de. Attends. Mais. Genre, à un moment, il y a une phrase, c'est aux mercenaires engagés, grâce aux mercenaires, grâce. Bon, qu'il y avait un, je pense qu'il y a un petit chapeau, mais je suis pas sûre, ça, je vais pas le dire. Oh, il y avait un, il manque un X, à mercenaires, il manque un S. Et j'avais un participe passé juste derrière qui n'était pas du tout accordé. Tout était au singulier, alors qu'il fallait le mettre au pluriel. Oui, il y avait d'autres mots, genre. Je sais plus ce que c'était, mais il manquait un accent et ça m'a stressé. Pour l'espèce, ça m'a dit, il y a des fautes, 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 c'est bourré de fautes, il est bourré de fautes. Je leur ai même dit, j'ai eu un mode. Les membres sont en mode, oui, quoi, je suis en mode, il y a des fautes, c'est bourré de fautes. Je sais pas c'est qui a écrit, mais c'est bourré de fautes, les gens. Putain. Quand ça va des mots, genre orthographe, je sais pas si comment, mais j'ai fait encore des fautes actuellement, par exemple, j'ai fait une en écrivant cette vidéo. Ok. Mais voilà, les fautes genre qui peuvent être évitées, je les supporte pas. Voilà. C'est comme écrire main, ils viennent chez moi. C'est pas faisable. C'est une grande psychopathe. Je fais peur. Numéro 7, la dernière donc. Voilà. Merde, j'ai un petit truc. Au niveau des sabots des chevaux, là c'est la surpartie. Pareil, je suis une grande maniaque. Lorsque tout ce qui va être, genre le sabot, genre il est fissuré, genre il a cassé. Le sabot repousse en dessous avec une couche supérieure par-dessus. Ça m'insupporte, faut que le sabot soit nickel, que les gens prennent soin des sabots de leurs chevaux. Quand j'ai remarqué que le sabot de Xbo commençait à faire ça, je suis devenue folle. Du coup, chaque fois que je le monte, je passe une demi-heure. Genre, je passe 10 minutes sur sa robe, c'est voilà, c'est craint. Je passe une demi-heure à polir ses sabots pour qu'ils soient le plus propre possible. Pour qu'il n'y ait plus un brin de sable ni de terre dessus pour que je puisse passer l'huile de lin pour que sa bouffe soit nickel. Genre, je suis une grande psychopathe. Genre, après, à passer 1 heure et demie à faire chaque sabot à la brosse dure, à la brosse douce, à l'éponge, après à faire l'huile de lin vraiment partout pour qu'il n'y ait aucun brin de sabot. Donc, il avait le sabot genre rutilant à la fin. Donc, genre, il brillait. J'ai vu les sabots de Calais, je me suis dit non. Genre, la première, sa cavalière qui a attendu qu'elle finisse de manger, donc qui est en train de discuter, je me suis arrêtée. J'ai pris mes brosses et je me suis attaquée les sabots. Une heure plus tard, sa cavalière a plus rien au prix, il avait les sabots brillants. Ce qui est bien, c'est que la Anna, la fille qui montait avec moi dans son cours, que vous risquez de le voir à un moment donné, vous avez pu voir dans ma vidéo de mon cours en accéléré, puisque celle qui monte avec moi, elle est commencée également à devenir une grande maniaque des sabots, donc elle aussi, elle les polie également beaucoup. Moi je le fais depuis peu parce que genre avec la terre c'était impossible de savoir comment étaient les sabots. La terre était humide tout le temps, là dès que tu te lavais la brosse était inf... La brosse était pleine de terre, tu pouvais plus la passer nulle part sans la laver, c'était horrible. Alors que là c'est plus de la terre sèche, c'est la terre sèche et de la et du sable, donc ça peut se enlever facilement. Mais vraiment moi je frotte chaque paroi. Je me rappelle quand j'ai le jour où j'ai mis une heure et demie à faire ça, j'avais pris même un tabouret pour pas s'en partager, j'ai pris un tabouret et je frottais comme ça. Il y a des petites cavalières qui m'ont regardé en mode ok. Je me suis très très bête à un moment. Bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu, changer de rendu parce que ça m'a l'air d'avoir un. Ok, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve soit demain, soit vendredi, du coup. Je vais essayer de voir Emma, si elle peut aussi faire des vidéos, si on peut se voir pendant les vacances. Mais c'est très compliqué, comme je vous l'ai déjà dit. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Tous les commentaires, j'y réponds, même si c'est des critiques. Essayez de faire des critiques qui permettent de m'améliorer. C'est toujours plaisir d'améliorer les vidéos. Par exemple, comme le monde est petit, genre, ça m'a vraiment fait hyper plaisir de voir ça. Là, une ancienne cavalière de 26 de la mignonne, une femme qui m'a bien volé, m'a acheté, donc qui a commenté ma vidéo, ça m'a fait extrêmement plaisir, ça m'a fait une belle surprise. Le monde soit aussi petit que soit là. Enfin, c'est marrant, c'est propriétaire. Bisous toi, si tu vois cette vidéo, donc. Coucou Emma aussi. Okay. Qui en gros sa cousine était l'ancienne propriétaire de Vinci de la Mignonne, donc le cheval que ma mère voulait acheter. Et donc elle a pu monter, c'était un cheval vraiment formidable ce qu'elle m'a dit. Bon, je lui ai expliqué le problème en détail et tout.
Vraiment, je la remercie parce que c'est hyper bonne coïncidence. Ça m'a fait grave plaisir de voir ça. Tout le monde était aussi petit que cette personne, qui soit par pur hasard, alors qu'elle connaissait Vinci, soit tombée sur ma vidéo. Ah, petit bégue, pas toi. Ça fait toujours plaisir de voir les gens qui commentent et tout, qui. Mais mes amis là, c'est ma vidéo au moins. Ça fait toujours plaisir les gens qui commentent. Genre, je peux dire, c'est bien, j'aime bien, voilà. Oui. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je sais, extrêmement bizarre que vous n'avez rien vu.